PyjamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Richcast de Pyjama Rich TV. Alors aujourd'hui, un épisode un peu spécial, un peu particulier, qui va s'intituler Le loup et le chien, pourquoi Jean de La Fontaine avait raison. Donc je te propose aujourd'hui un Richcast culturel pour changer un peu, parce que tu sais, sur Pyjama Rich TV, nous sommes des gens cultivés. Enfin, je l'espère. Mais ne t'inquiète pas, hein, ça reste en lien avec notre sujet favori qui est l'argent, la réussite, la liberté, etc. Donc, il se trouve que je suis tombé par hasard sur une vieille fable de Jean de La Fontaine. Me demande pas comment c'est arrivé, ça c'est personnel, et puis je te regarde pas, je fais ce que je veux après tout. Hein, je t'emmerde, hein. Bon, donc, je suis tombé sur cette fable de Jean de La Fontaine. Si tu étais un peu à l'école, je pense que ce nom te rappelle de vieux souvenirs. Il est vrai que les fables de La Fontaine ont toujours été de bon sens, mais celle-ci m'a particulièrement marqué. Étant tombé dessus par hasard récemment, je me suis dit, pourquoi ne pas partager cela avec toi? Donc je vais donc te la partager, et si jamais tu ne la connais pas, ça te permettra de la découvrir, et puis surtout nous allons la commenter ensemble, et voir un petit peu ce qu'on peut en tirer. Donc commençons tout d'abord par la fable en elle-même. Donc je te laisse l'écouter, je te mettrai dans la description l'écrit, enfin les paroles, le texte de la fable, comme ça tu pourras suivre en même temps. Donc je te laisse d'abord l'écouter et l'apprécier. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, Sir Loup lui fait volontiers, mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. « Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi !» lui repartit le chien. « Quittez les bois, vous ferez bien, vos pareils sont misérables !» Cancre, air et pauvre diable dont la condition est de mourir de faim. Car quoi? Rien d'assuré, point de franche lipée, tout à la pointe de l'épée? Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. Le loup reprit. Que me faudra-t-il faire? Presque rien, dit le chien. Donner la chasse aux gens portant bâtons et mendiants, flatter ceux du logis, à son maître complaire, moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons. Os de poulet, os de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le cou du chien pelé. « Qu'est-ce là ? » dit-il. « Rien. »« Quoi, rien ? » ?»« Peu de choses. »« Mais encore. » »« Le collier dont je suis attaché de ce que vous voyez est peut-être la cause. »« Attaché ? » dit le loup. « Vous ne courez donc pas où vous voulez ? » ?»« Pas toujours, mais qu'importe. » Il importe si bien que de tous vos repas, je n'en veux en aucune sorte et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. Cela dit, Maître Loup s'enfuit et court encore. Voilà, donc comme tu as pu l'entendre ou le lire, cette fable parle de la liberté et du prix à payer pour être libre. Et en illustrant ce thème avec des animaux, hein, tels qu'un loup et un chien, je trouve que le sujet devient alors plus facile à visualiser. Parce que tout le monde connaît à peu près hein, la vie d'un loup, qui est libre, hein, comparé à celle d'un chien domestique. Et si maintenant on ramène cette fable à notre réalité, des êtres humains, hein, nous des êtres humains, on pourrait comparer un peu la situation entre celle du salarié et celle de l'entrepreneur. D'un côté, nous avons le confort, le salaire garanti tous les mois, mais en échange, on doit sacrifier ce que nous avons le plus cher, notre liberté. Et dans la fable, le loup allait se laisser tenter par la vie de chien parce qu'il avait faim, il était affamé, il avait les crocs, jusqu'au moment où il se rend compte que le chien
n'est pas libre et doit porter une laisse. Et à ce moment-là, plus aucun doute pour le loup, il préfère retourner galérer dans les bois avec ses autres copains loups, mais rester libre. Et c'est tout à fait l'état d'esprit du Rishikas, de Pyjama Rish, de tout ce que je fais en fait. C'est vraiment l'état d'esprit de mon blog parce que dans chaque podcast, j'essaye de te faire comprendre à quel point la liberté est importante et n'a pas de prix. Alors après, je te le cache pas, c'est pas facile tous les jours parce que comme le loup, il y a des jours où tu seras affamé. Mais en revanche, quelle jouissance d'être libre, de pouvoir gambader dans les bois, dans les champs, faire ce que tu veux. Et ne pas avoir de laisse, ne pas avoir de collier autour du cou, appartenir à quelqu'un. Mais il faut toujours garder à l'esprit que cette liberté demande beaucoup de travail et elle a un prix. En étant salarié, c'est sûr que tu te fatigues moins et tu as moins de stress. Sauf que tu n'as aucun contrôle sur ta vie. D'où l'importance de l'argent et d'où la création de Pyjama Rich TV. Parce que certains n'ont toujours pas compris, mais si je parle autant d'argent, si je parle autant de business, de développement, ben, c'est simplement parce que l'argent est le nerf de la guerre et il faut faire tout ce qu'il faut pour en avoir le plus possible. Alors c'est pas juste avoir de l'argent pour accumuler des biens matériels, bien au contraire, l'argent est l'outil principal qui mène à la liberté. Et plus tu en as, plus tu pourras être libre et indépendant. Alors maintenant, je te pose la question à toi, veux-tu être un loup ou un chien ? Donc, tu me donneras ton avis en commentaire. J'espère que cet épisode qui est un peu différent t'aura plu. Et dis-moi aussi si tu aimerais un petit peu plus d'épisodes dans ce genre-là, qui sont moins formels et puis un peu plus philosophiques, on va dire. En tout cas, je salue tous les loups qui m'écoutent et on se donne rendez-vous au prochain épisode. Entre-temps, n'oublie pas de laisser un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, de t'abonner à la chaîne Pyjama Rich TV, activer les notifications. Et on se donnera donc rendez-vous au prochain épisode. Entre-temps, prends bien soin de toi. Bon courage. Allez, salut!